bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo capillaire. Aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer comment j'ai fait mes box braids. Alors tout d'abord faut savoir que de base la vidéo je devais pas du tout la faire comme ça, mais j'ai plein d'empêchements qui font que bon bref, je vous la sors comme ça, c'est pas grave, le plus important c'est que je vous la sors. Alors on va commencer par les bases. Pour pouvoir réaliser cette coiffure, j'ai eu besoin de mèches. Mes mèches, elles me viennent de chez DH Gate. Je vous mettrai sûrement ici le nom de mes mèches avec ma facture DH Gate, combien je les ai achetées et tout. Et aussi le lien en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé. Sur DH Gate, on achète en lot. Du coup, j'ai acheté 5 paquets de mèches. Du coup, au final, je n'en ai utilisé que 4. Mon dernier paquet se trouve ici vu que je ne l'ai pas du tout utilisé, mais je l'avais déjà tiré, donc bon. Pas grave, on sait jamais, ça peut toujours resservir. La première étape pour pouvoir me coiffer, ça a été de séparer mes cheveux en plusieurs parties. Donc, pour séparer mes cheveux, j'ai utilisé un peigne à queue fin et des élastiques. J'ai tout simplement, avec le peigne à queue fin, tracé les lignes de la séparation. Et ensuite, avec un élastique, j'ai attaché mes cheveux. Et ensuite, j'ai fait des petites vanilles et ça sur tout l'ensemble de ma tête. Une fois cette étape finie, j'ai coupé mes mèches en deux et je suis ensuite venue les tirer. Alors pour tirer les mèches, c'est hyper facile. Une fois que tu as coupé les mèches, tu les attrapes bien. Tu serres bien ton poing et tu tires. Tu tires, tu tires, tu tires, tu tires. Jusqu'à ce que la mèche soit complètement bien étirée. Une fois que tu as fini d'étirer, tu prends ta brosse ou ton peigne, tu peignes, tu peignes, tu peignes, tu peignes, histoire que la mèche devienne bien lisse. Ça évite qu'il y ait des boules bizarres sur les cheveux. Ça permet vraiment que quand tu vas coiffer, ça va être agréable, ça va être tout lisse, ça va être d'art. Une fois qu'on a fini de tirer tous les paquets de mèches, c'est-à-dire moi j'ai tiré les 5 d'un coup parce que je préfère, on va venir maintenant. Alors pour coiffer, c'est simple, vu que la mèche elle est déjà sectionnée puis tressée, tu vas juste venir tirer la mèche devant toi, placer comme ça, je sais pas comment vous expliquer, je vous préfère vous laisser avec l'image comme ça, vous voyez mieux ce que je veux dire en fait. Une fois que c'est fait, il suffit juste de répéter l'opération sur toute la tête. Une fois l'étape du tressage finie, il faut tout simplement mettre les cheveux dans de l'eau chaude. Le fait de mettre les cheveux dans l'eau chaude, ça permet de les rendre plus souples et moins lourds. Une fois qu'ils sont dans l'eau chaude, tu les enlèves et que tu les sèches et tout, ils sont beaucoup moins lourds, ils sont plus agréables et il y a plus de fluidité dans les mouvements. Enfin là, vous voyez rien parce que j'ai fait un chignon. Mais en gros, c'est ça le principe de les mettre dans l'eau chaude. Une fois cette étape finie, il suffit juste de couper tout ce qui dépasse. Moi, personnellement, j'ai rien coupé parce que, enfin, il n'y avait rien à couper, en fait. Et après, il suffit juste de rajouter les petits accessoires, tout ça. Bah, comme vous avez pu le voir, vu la couleur, je pense que j'ai pas trop besoin de rajouter d'accessoires. Sauf que je pense que je vais mettre des fils blancs autour après. Mais ça, ce sera pas pour maintenant. Et puis voilà. Donc c'était un petit peu un récapitulatif de comment j'ai fait mes braids, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre plus de séquences de comment j'ai fait juste après, tout de suite après, histoire de bien vous montrer. Et puis voilà. En espérant que la petite vidéo vous aura plu, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez à me dire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma coiffure, de mes box braids blue.
Sur ce, bisous la famille. Chanson, c'est fini, dernière tresse, oh purée, oh, je suis, oh là là, je suis, mon cœur fait boum boum, ah je suis trop en joie, je suis en joie, comme everybody, voilà ce que ça donne, je suis juste littéralement en sang, et encore on voit pas la longueur, je suis grave choquée, enfin, les braids, elles sont parfaites, pile comme je voulais. Franchement, le fait que la matière soit du nylon, ça m'a pas vraiment posé un problème, genre pour me coiffer. Là, on dirait que le bleu, il est beaucoup plus foncé, alors qu'en fait, il est beaucoup plus clair. Mais pour ça, c'est à cause de la qualité d'image. Je suis juste en sang. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein, moi, je suis grave contente. Et je vous fais des très très gros bisous. On se revoit très très bientôt pour une nouvelle vidéo de la famille.